l'a eu, l'enfoiré. Pourtant, ce n'est pas le responsable de la mort de vos marines. Désolé. Imran Zakaïev, hein? C'est un vrai fantôme. Nos services disent qu'il se cache. Eh bien, j'ai un plan pour le trouver. J'écoute. Le fistre. Le fils de Zakaïev, chef des forces ultranationalistes sur le terrain. Les pommes pourries ne tombent jamais loin de l'arbre. Le loyaliste Kamarov sait où se trouve le gamin. Et ce petit con sait où se trouve Zakaïev. Les péchés de nos pères. C'est des conneries. C'est le meilleur endroit. Le poste de contrôle est juste devant. Pas mal, Kamarov. Ça fera l'affaire. Vautour 1-6, on est en position. Bravo 6, ici Vautour 1-6. Les brouilleurs radio sont activés. Vous pouvez attaquer le poste de garde. Terminé. Hey! Salut tout le monde, c'est Bouskamal. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour la suite de la campagne de Code 4, épisode 5. Et on se retrouve avec le sniper R700, pardon, le Colt 45 ans, dans le secondaire, ok. Et donc, on est parti pour cette mission qui va se jouer au sniper. Ça va être grave nice. Hop. Donc, ça fait deux jours que j'ai pas touché à la campagne. J'avais dit que j'aurais créé tout d'un coup, mais j'avais pas assez d'espace sur mon PC, donc j'ai dû. Puis même de toute manière c'était plus simple pour moi d'enchaîner un peu les montages, de pas tout régler d'un coup, ça m'aurait fait trop de taf on va dire. Soap, élimination. Oh, putain. J'ai fait trop le con. Comment j'ai pu louper une tête pareille? Eh, j'ai loupé un truc les gens. En tout cas, vraiment pas mal cette campagne. Alors, c'est peut-être pas ma préférée, je ne sais pas. Je me souviens plus trop de celle de Modern Warfare 3. Je me souviens que j'avais bien aimé à l'époque. Mais est-ce que je la re-kifferais aujourd'hui? Je pense quand même. J'avais bien aimé les passages sur Paris, tout ça. Puis la mise en scène était pas mal, l'histoire, j'avais bien aimé. Je pense que celle qui reste quand même ma préférée, c'est. Pourquoi il a pas pris son head? S'il y a des bugs comme ça un peu dans la campagne, en multi j'imagine même pas. Avant que ça soit un pote, je ne sais pas. Ok, gaz. Mais ouais, celle de Black Ops 1 reste ma préférée. Putain, les chiottes, ça donne envie de chier, mon gars. Magnifique. Puis non, celle de Ghost. Même si au final, pas beaucoup de. Enfin. Il y a des gens qui n'ont pas aimé le jeu tout ça, moi j'ai adoré la campagne de Ghost. Je trouve que c'est une de mes. Enfin, c'est vraiment l'une de mes préférées. Et celle de ce Code 4 est quand même pas mal. Par contre j'ai déjà plus de balles dans mon sniper mais j'aimerais bien continuer. C'est bon, on fait le ménage. Mettez les uniformes ennemis et éteignez les feux. Kamarov, je veux vos hommes à terre si les conducteurs posent des questions. Occupez-les jusqu'à ce qu'on repère le fils de Zakaïev. On est pressé, alors au boulot. Je trouve quand même que c'est toujours plus classe. Un jeu qui se passe dans les temps réels qu'un truc dans le futur. Je parle vraiment des Call of Duty. Hein. Pas les gens en général, mais. Voilà quoi. On est beaucoup plus dans l'immersion. Ah, ça c'est stylé comme idée de se mettre sur le toit comme ça. Ah, ouais, bah, je prends le sniper, mon gars. Oh, le R700. Ça a l'air d'être bizarre quand même les quickscopes sur ce jeu. Et comme je l'ai dit, quand tu scopes, quand tu relâches le bouton, t'as genre. 3 millisecondes à attendre que le scope descope en fait, c'est pas. Merde! Ah ouais, je suis un connard. En fait, j'ai posé ma manette comme un triseau et ça a appuyé sur la touche. Il y a beaucoup de balles dans le R700 ou pas? 17, ça, pas beaucoup. Il y a une petite G36. Ouais, je vais prendre la G36 vu qu'on est au top. Bien sûr, personne ne tire avant mon ordre. Le jeu, je pense qu'il va réellement être vraiment être jouissif en multi, hein, très clairement. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là, je pense. Attendez. Le fils en. Attendez.
En fait, j'ai peur de tirer sur la gifle, très clairement. C'est mort, ok. Ok, ils sont occupés du char, très très bien. Oh, y'a du monde. Y'a du monde, allez hop, petit switch au sniper. Oh putain, y'a tué la tour. Oh, stylé l'animation. Ah, j'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Allez, ma gueule. Regarde-le avec son. Avec son. Son comment, sa tenue Adidas, t'es. Pourquoi il nous tire pas dessus? Regarde-le avec cette tenue Adidas. Oh putain, il court trop vite ce connard. Allez, je fais quoi là? Je vais le. On court trop vite, mon gars, ce serait trop stylé si on courait aussi vite dans le multi. Allez, j'ai lui foutu une balle entre les deux yeux. Donc j'ai... Et là, papa! Tire de suppression, mon gars, je sais qu'il faut pas le tuer. Et il s'est pas cassé la gueule. Non, c'est juste qu'il est en bas. Merde, comment il court, mon gars? Il a fait le marathon. Et les gars, je suis un guerrier, je suis un soldat US, gros, les gars. À moi tout seul, je peux faire la guerre. Y'a aucun problème là-dessus. Ah putain, par contre, je suis bloqué par une chaise, hein. Y'a aucun problème. Ouais, non, mais je sais, gros. C'est un pote, ça. Oh putain, faut pré-shoot, quoi. Hop, vas-y, cours ma gueule. En fait, il est tout proche, ce connard. Attends, gros, deux secondes. Deux secondes. Qu'il avait pris à gauche. Ouais, j'arrive. Quoi? Mais non, je suis dessus là, c'est bon. Ah, même pas. Si, ça me met point de contrôle à temps. Ah, voilà. Ah, j'aime bien. En plus, t'as une voix qui t'indique les ennemis et tout, c'est stylé, tu sais. Ça fait trop le mec, genre il se fait cover par ses mates et il peut ranger dans le temps. Ah, je kiffe tellement le reload. Oh, mais non, et les bagnoles sur ce jeu, c'est grave chiant par contre. Tu sais, ça te pète dans ton délire, t'es à fond dans l'action et tout, et là t'as une bagnole. Au cas où, je suis toujours malade, hein. Ça va peut-être pas s'entendre, mais. Toujours bien malade, ça fait un peu chier, hein, je cache pas. Oh, le wallbang. Putain, je vais défoncer lui. Voilà, putain. Oh, putain, la grenade. Hop, on va se mettre derrière la poubelle, je pense que ça peut être une bonne fois qu'on va reload tranquillement. Tenter de prendre des infos. Ok, il est mort. Hop, on va monter au top. On va prendre une petite MP5 là, histoire d'être bien déter. On va redescendre par le décor. Y a quelqu'un derrière la benne renversée. Hop. Flashing. Magnifique. C'était ultra RP ce que j'ai fait, tu sais. P2-1, il y en a un deuxième. Hop. Ok, on est chaud les gens. Là, ça fait plaisir de jouer à Code 4, hein. Je vous cache pas que là... Réellement. Ça faisait deux jours que j'y avais pas joué. Le temps de faire les montages, tout ça. J'ai règle 4 épisodes en tout. Ok, c'est bon, il les a eu les niveaux. Ah là, j'ai pété, c'est bon. Là, je méfie trop des voitures maintenant. Tu te demandes comment le mec n'a pas fait pour nous tracer déjà depuis longtemps, tu sais, parce que.
clairement. Je sais quoi, je monte au top, je sais quoi là. Je pense qu'il faut aller là. Non, pas été. Ouais, je pense qu'il faut aller là. Ah, ok. On va garder le snipe quand même. J'avais envie de prendre un pont pour l'histoire d'y aller vraiment déter, tu vois, mais. On va y aller tranquille. Et point de contrôle atteint. On voit que là on va pas y aller ici, c'est pas trop texturé. La cible est sur votre gauche, un étage au-dessus. Okay. Il y a un escalier au coin nord. Oh là là, gros, je me bouffe des murs. La cible s'est enfoncée dans le bâtiment. Allez, bon, je m'occupe d'eux. Putain. Eh, je me bouffe combien de murs? What the fuck? Eh, hey, tenez bon, je me occupe d'eux, t'as mis un peu trop de temps hein, par contre. Si votre attaque se déroule trop bien, vous foncez droit dans une ambuscade. Ok, excellent. Pas mal. La cible s'est enfoncée dans le bâtiment. Tenez bon, je m'occupe d'eux. Je sais pas ce qu'elle va faire, c'est pour le mec là. Putain, les murs. J'ai l'impression qu'on a quand même un effet de speed. Là. Oh merde, c'est des potes. Ouais, je confirme. La cible est sur le toit. À vous de jouer. Ok, bah je viens de tuer un de mes équipiers. Stylé. T'es le mec qui s'en bat les couilles, t'es. Hop. Ouais, bah je viens de tuer un de nos mates. Je sais pas trop pourquoi ils nous ont pas fait recommencer. Lâche ce putain de flingue. Lâche-le. Je peux l'avoir dans la jambe. Non, c'est trop risqué. Ne tirez pas. Sauve. Maîtrisez-le, vite! Lâche-le! Défait comme un rat! Lâche ça! Mais vous avez tué! Eh, c'est bon, une balle dans le pied, vous l'avez tué! Non, parce que là, je sens trop, il y a un de nos potes qui va mourir et je voulais calmer le jeu direct, mon gars. Ouais, je confirme! La cible est sur le toit, à vous de jouer! Du coup, on va prendre la carte. Là, je sens, il va y avoir un de nos potes qui va mourir, gros, c'est obligé. Lâche ce putain de flingue! Là, il y a un effet de slowness, tu sais. Je peux l'avoir dans la jambe! Non! C'est trop risqué, ne tirez pas! Sauf, maîtrisez-le, vite! D'accord, il vient de se tuer. Pff, 360 nos scopes! Merde, le petit a des problèmes. Pivot ici, bravo 6. Le fils de le mec, il a préféré se suicider. On rentre à la maison. En vrai, son fils était notre seule piste. Quand tu. Laissez tomber. Pff, comment? Je connais le bonhomme. C'est pas le genre à abandonner. Allons-y. Ah ouais, se suicider c'est lâche quand même. Ok, petit trophée. On reprend les trophées hein, tu sais. Fait plaisir. Je crois que je suis à 25% ou 30% sur des trophées là. Il y a moyen que je les fasse tous. On détruit notre culture, notre économie, notre honneur. Notre sang a été répandu sur notre sol. Mon sang. Sur leurs mains. Ah, c'est lui qui s'est buté, gros. Ce sont eux, les envahisseurs. Les troupes américaines et anglaises devront quitter la Russie immédiatement. Nous devrons payer le prix. C'est simple. Si on ne reprend pas le site de lancement dès demain, toutes les cartes d'état-major seront fausses. Ok pour le parachutage. Équipe Charlie, on y va. Second largage en approche. Bravo, tenez-vous prêts. Go! Bon, du coup, on est un peu plus de la moitié du jeu, je crois bien. Oh, on se retrouve avec une M4, au calme. Ah, c'est cool dans la neige là, j'aime bien. Aucune idée, monsieur. Bravo 6, le sergent Griggs vient juste d'activer son transpondeur. Avouez, vous kifferez trop être dans une escouade comme ça avec Price, t'sais. Bravo 6, terminé, on y va. Ça serait le feu. Ah, dans la neige comme ça, avec les petits effets de brouillard, je kiffe trop. Et il faudrait une map comme ça, genre. Contact à l'avant. Véhicule ennemi. Ennemi à terre. Calme. On y va. D'accord. Ah, il était là. Non, je vais garder mon petit USP. Ah,
Il y a du mouvement là-bas. On fait quoi? Alors, on met chacun une balle dans la tête. Il y a du mouvement là. Hop, putain. Tranquillement. Lui aussi, il était. Ok. Oh, je push comme un porc, les gars. Il n'y a pas de problème. Quand même ultra propre, hein, vraiment. Ah les gars, si vous hésitez encore, hein, je le dis et le redis, hein, si vous hésitez encore à juste prendre IW ou code 4 avec, n'hésitez pas. Hein. Surtout si vous en avez un peu marre des jeux futuristes, rajoutez 20 balles. Hein, même si ça fait chier de donner ça à Activision. Vous allez pouvoir jouer à l'un des meilleurs FPS sur console jamais sorti, tu vois. Même si c'est qu'une campagne, putain, il a pas eu le temps de tirer, ok. Je crois qu'on est spotted. Putain, il a failli nous arracher. Ok, c'est gaz. Allez, j'arrive, ma poule. Hop. Vas-y, ma gueule. Ah, ça s'est ouvert derrière moi, j'étais pas prêt. L'arme la plus dévastatrice au monde est un marine avec son fusil. Elle est connue cette phrase. Elle est connue. On va essayer de push. Hop, c'est bon. On va s'occuper des deux. Je crois qu'il y en avait deux. C'est bon. Allez les gars. J'y vais au gun, mon gars. Je vais mettre des têtes. T'as le double triangle, c'est plaisir. Ah, c'est plaisir d'avoir le double triangle sur un jeu Modern Warfare quand même. Sur un jeu de Infinity War plutôt. C'est bon, tu lui mets la tête. Je posais tirer, j'ai cru que j'allais tuer. Price. Oh mon pote. Il sort le couteau. Il était touché. Je commençais à croire que vous alliez m'abandonner ici. La base. J'avais pensé, mais c'est toi qui as tout le C4. Le bâtard. Ouais, bon pour le service. Et le mec, vous auriez dû me laisser ici. Ouais, j'y ai pensé, mais c'est y'a que toi qui as le C4. Le bâtard. C'est toi qui as tout le C4. Tu sens le mec. Bon, c'était une petite vanne, hein, tu vois, il allait pas l'abandonner. Mais... c'était drôle, c'était drôle. Non, je savais pas comment il s'est fait capturer le mec. Wouah, 360 scope, double triangle, clé mort et tout. Allez, let's go. Ah, c'est propre quand même. Ouais, je trouve que c'est beau. Vas-y ma gueule, je passe les charges, y'a aucun problème. Charge en place, tous à couvert. Ouais bah là ça a pété. Là ça va faire très 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 mal. Par contre si vous vous mettez à couvert, ouais voilà, sous les fils ça va pas le faire. C'est bon gros, gaz, là tu te manges. Gros retour de fil électrique dans ta gueule. Bon, déjà tu meurs coupé en deux, tu sais, et électrocuté en même temps. C'est pas mal. Compris. On franchit le périmètre.
générateur de secours dans 10 secondes. En attente. 5 secondes. C'est bon, on est entré. Bravo 6, on vous attend, point de ralliement. Terminé. Bien reçu, Sniper 2. On est en route. Terminé. Ouvrez-moi cette clôture! C'est pas moi qui ai le spray magique là. C'est quand même grave stylé ça, hein. Entre nous. Ah d'accord, excellent, le mec qui se casse à moitié la gueule. Des bonnes barres. Des bonnes barres. Ah, il est quoi les gens? J'en ai pas souhaité. Ah c'est grave stylé. Ça me rappelle une map de BF4. Alors c'est pas réellement dans la neige comme ça, mais ça me rappelle je sais plus comment elle s'appelle c'est 41 ou 84, je sais plus là. Une map un peu comme ça là. Bon, bon, quand tu t'approches ça ressemble pas du tout, mais de loin un peu quand même. Hop, ah, d'accord. Est-ce qu'on peut sauter? Okay. J'arrive ma gueule. Infanterie ennemie au nord-ouest. Oh bâtard. Il m'a mis une petite pichonnette des familles. Hop. Ah c'est moi quoi, ouais bah ouais. J'ai voulu faire le malin, j'ai voulu faire le malin, et je croyais pas qu'il y en avait autant. A chaque fois je vais trop rusher mon gars, je suis trop dans le truc. Je suis cran multi tu sais. Contact au nord-ouest. On va lancer un peu des grenades. Lance-roquette est mis sur les toits, il est où? Bah alors il est où? Hop. Tranquille ma gueule. Oh il y a du monde en fait hein. Quand je suis mort tout à l'heure. On t'arrive. Au calme. On va flasher un peu tout ça parce que là ça va bien. Ah, je croyais que c'était un allié. Hop, on va prendre ta G36 mon gros. Hop. Putain, il est mignon. Passe tous mon gars. Ça explose ça, ouais. Hop. Au calme. Ah, je vais vérifier des grenades maintenant. C'est bon, tu le tues ? C'est bon, je crois. Mais gros, il est toujours pas mort. Mais putain, mais c'est sérieux là? Sans déconner. Mais les mecs ils spawnent devant nous comme ça là.
m'arrive de dire. Hop, toi tu die. Ah d'accord, il buguait un peu celui-là. Hop. Lance-roquettes, ma gueule, j'ai vu. Hop. Ok, plus débile que ça, tu meurs. Et ouais, mon gars, moi je te mets des jump shots, t'as pas de manette à palette, tu vas faire quoi? Oh, putain. Oh, y'a des chiens. Y'a des chiens. Reload tranquillement. Contact à l'ouest. Attention, Bravo 6. Trois camions de troupes se dirigent vers vous. Ok, c'est blindé, débarre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Voilà. Bonjour, messieurs, dames. On va prendre ça, ça va aller deux fois plus vite. Vite fait ce que c'est ce trophée carré, bah ça veut dire que 8 et 4 et avec quoi je ne sais pas. Donc en combat de soleil, il met les 4 ennemis à la suite avec des tirs dans la tête. Ah d'accord, j'ai mis 4 headshots, ok, excellent. La puissance hein. La puissance. Ok, c'est Price. Ok, au Kamzer. Il y en a encore. Ah, c'est un pote. Putain, mais d'où il sort aussi? Je vais prendre le pompe. On fait quoi? On va là-bas? On fait quoi? Ok, c'est bon. Sniper 2 à Bravo 6, on sort de la forêt au sud. Tirez pas, c'est un des groupes de snipers américains. Bro. Content que vous ayez réussi. On vous couvrira quand vous entrerez dans le péri. Qu'est-ce que c'est que ça? On a un problème ici. T'es le mec qui arrête les missiles en tirant dessus, tu sais. Toujours plus hein. Allez les gars, faut se dépêcher.
encore avec les Russes pour obtenir les codes de lancement. Ah, le mec il a drop une scie dans sa dans son dos. Et bah. Allez, allez, allez. Là y'a l'ennemi là, attends. Vas-y, pique-moi ça, gros. On est chaud. Oh, mets-toi, mets-toi, mets-toi. Putain, j'ai pas le temps de me barrer. Aussi, hein, faut se faire plaisir. Les flashs c'est important. Il y en a aucun qui a été flashé, je suis ultra déçu. On dirait la map cargaison un peu. Vous savez, c'est parce qu'il y a des cargos et tout, mais. On est pas. Ah, pas mal les films, j'aime. Oh, bon, il y a un char. Il est en train de m'arracher. Faut lui mettre le C4, je pense. Je suis pas sûr. Quoi? Ok, on approche le truc discrètement. On va pas rester là parce que je sens que c'est pas le bon plan. Ça a l'air d'être déter un peu ici. Oh, l'IA est tellement. Oh putain, il y a des grenades, moi je suis mort. Ouais, tu. Non, même pas. Je suis one shot. Ah putain. Là je pars mourir. D'accord, ils sont tombés raid les gars. On va push. De toute façon il a dit qu'il fallait passer par la droite. Hop au calme. Oh, il a lâché une grenade, tant que. Hey! Notre BMP a couvert! Chop, Rex, vous y allez! Allez! Ah, la map! Putain, comment ça s'appelle? Elle est trop stylée cette map. Hop. Putain, y'a un char. Y'en a deux là cette fois-ci. Hop. Tranquille. J'essaie de l'approcher. Tranquille.
risque dans la smoke, mon gars. Hop. Il y avait un autre. Allez. Ok, excellent. Allez les potes. D'accord. Tout le monde s'accroche. Let's go mon gars. Ok, on y est. De 500 mètres au sud-ouest de votre position. Vous devez y charger des codes d'annulation pour détruire les missiles en vol. Kaz accompagne les Yantis et attaque le poste de sécurité. Sauf Griggs et moi, on va vers la salle de contrôle. Compris. Je prends la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas encore ces codes. Terminé. Ouais, on va mettre le paquet. Terminé. Bien glauque ici, hein, très clairement. Capitaine Price, on vous envoie les codes d'annulation nécessaires pour détruire les missiles en vol. Vous avez 11 minutes avant que ces missiles n'atteignent la côte est. À vous. Entendu. Allez, let's go. Vrajinski, войска, вступили в базовую бараку. Подтверждение на обращение в бараках. On sait jamais, il peut y avoir quelque chose d'écrit sur la bouteille. Hop. Oh putain, la grenade qui explose. Et les grenades sur ce jeu, je crois, c'est vraiment le cancer. Hop, petite grenade mon gars, on a fait le taf. D'accord. Putain, les grenades mon gars, je trouve qu'elles explosent. Tu sais, elles font super mal, mais l'explosion elle est pas du tout puissante. Hop. Putain, c'est Price. Je sais pas comment il est arrivé ici. Oui. Hop, on se met à couvert, on va flash la zone. C'était pas vraiment ça que je voulais faire. Oh putain, la grenade. Putain, mais Price, gros, il arrive de n'importe où à chaque fois. Je comprends pas le mec. Il a d'autres chemins, tu sais.
Ça va être infâme en vrai dans la... de se faire flasher. Ça va tellement faire mal aux yeux. Je sais pas s'il y avait un autre type. Ah ouais, il se prend une flash dans la gueule, je pense que tu restes à dos pour un certain temps, tu sais. Ça va être tellement ignoble. Fermer son chapeau, tu sais. Wow! Il t'a arraché. Putain, fait chier. Et j'ai pas compris, mon gars, ils sont arrivés dans mon dos. Putain, fais chier, c'est à lui qui pète les couilles. Mais non, mais va te faire foutre. Et à chaque fois c'est lui qui nous tue. Et je lui ai mis masse balle et il meurt pas. Putain, mais ça tient derrière aussi. On dirait le toutes les armes là, la gauche, ça me pète les couilles. Putain, mais... Oh, je vais péter un câble. Par contre, je voulais mon AK. Enfin, je voulais mon M4. Même pas qu'elle a dispawn. On va reload. Hop. Ah, je vais y aller. C'est bon, je suis mort 5 fois là. Mais regarde, et à peine tu te montes, gros, c'est abusé. Je suis qu'en deuxième classe en plus. Hein. Et là, je sais pas s'il faut push ou quoi, tu vois. Je pense qu'il faut juste pas que je reste là. Ouais, voilà. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ah putain. Calme. On est en position. Ouvrez la porte extérieure de la salle de lancement. Compris, on s'en charge. On y est presque. Ça y est, les portes sont activées. Je le sens pas si je me mets là. Ah, la lanterne. Non mais vous vous foutez de ma gueule. Gaz, tu peux pas ouvrir ça plus vite. Négatif, chef.
Je pensais pas qu'elle allait être aussi lente en fait, donc du coup je l'ai maintenu pas si longtemps. Départ. On est en position. Ouvrez la porte extérieure de la salle de lancement. Compris, on s'en charge. On y est presque. Ça y est, les portes sont activées. Bon, on va pas refaire la même connerie, hein, ça va. Non mais vous vous foutez de ma gueule. Gaz, tu peux pas ouvrir ça plus vite? Ok. Oh, c'est Price. Et il faut que j'arrête de leur tirer dessus. Très clairement, il faut que j'arrête. Hop. Ça sert à rien. Équipe 3, quelle est votre situation? À vous. Équipe 3, si. En position au sud-est de la salle de contrôle de tir. Si, en attente. Vous êtes sur l'autre mur? À vous. Affirmatif. Nous préparons à attaquer. Mac, place les explosifs, vite. Hop. Allez, allez, allez. On entre. Vas-y mon gars. Oh le vieux clavier est dégueulasse. Ah il faut maintenir, ok. En attente de confirmation. Attendez. Attendez. Bravo 6. Toutes les têtes nucléaires ont été détruites en vol. On a plein de débris, mais ils sont surtout tombés dans l'océan. Capitaine, regardez les écrans de contrôle. C'est Zakaïev, il s'en va. Les mecs qui tirent comme sur les unités. On est au poste de sécurité. Ils sont venus en camion. Je crois qu'on pourrait les utiliser pour quitter les lieux. Je vous envoie les coordonnées du dépôt de véhicules. Bien reçu. On vous rejoint au dépôt de véhicules. Terminé. Tous avec moi. En avant. Let's fucking go. Vous devez évacuer immédiatement la zone. Une importante force d'opposition converge vers vous. Foutez le camp, les gars. Allez, les potes. On a de la visite. Des renforts ennemis arrivent. Hop. Allez, allez. On reload. Tranquille. Oh, petit ascenseur des familles. Pourquoi tu t'es arrêté, toi? Ici Gaz, on est sous le feu de l'ennemi au dépôt de véhicules. Vous êtes où, les gars? On monte par l'ascenseur, à vous. Si vous cherchez un volontaire pour en coller une à Zakaïev. Ouais, bon, en ligne. S'il ne nous trouve pas le premier. Hop. Ah putain. Ah, si c'est... Allez, montez dans les camions, en avant. Vous avez entendu, en avant. Ok, let's go.
point d'extraction numéro 1 compromis. Rejoignez le point d'extraction numéro 2 au sud du pont. Présence ennemie importante. C'est trop chaud. Température ambiante? Sérieusement, une bière, ça doit être glacé. Une blonde peut-être, ou un verre d'eau à la limite. Mais une panne de brune? Va falloir que je fasse votre éducation quand on sera rentré au pays. En tout cas, on passe d'abord par Londres. C'est moi qui paie. Ouais, au moins c'est pas la fin du monde. Vas-y. Hop, et on va mettre sur start et on fera ça dans le prochain épisode et peut-être le dernier, je ne sais pas. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas le petit like et le commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Tchuss.